Alors, on est un groupe d'éleveurs des Pays de Loire qui élevons des chèvres pour leur lait, globalement, et qui voulons valoriser la viande de chevreau, de cabri, d'une manière différente de ce qui est proposé aujourd'hui. Un cabri des Pays de Loire, c'est un animal qui a été élevé depuis sa naissance sur l'exploitation, souvent en dessous la mer, depuis le mois de février, qui sont vendus à partir de 6 mois, c'est-à-dire au moment de l'automne. C'est une viande très saisonnée et qui a des valeurs culinaires et gustatives qui sont intéressantes et que les gens méconnaissent. La Chambre d'agriculture des Pays de Loire et ses partenaires accompagnent les éleveurs de la région, les éleveurs de chèvres de la région, dans la valorisation des cabris Pays de Loire. Et il est tout à fait normal pour nous de pouvoir aider ce collectif dans la recherche de débouchés commerciaux, mais aussi dans tout ce qui est parcours technique, afin d'avoir une qualité de viande optimale pour les clients finaux. Alors nous, la démarche de la viande de cabri, c'est participer à la filière qui vient de se créer. On est complètement dans nos engagements de travailler avec des producteurs locaux, de faire découvrir aux gens des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de manger. Donc la viande de cabri, ça correspond tout à fait à cette démarche-là. On est là face à des producteurs locaux qui démarrent une filière de viande qu'on ne connaît pas bien, le cabri qui a des qualités proches de l'agneau, mais qui n'est pas du tout valorisé dans nos régions, alors qu'on a des producteurs qui sont là juste à côté de chez nous. Dans le futur, on va continuer à utiliser la viande de cabri, et nous continuer à apprendre à l'utiliser, mais continuer à la faire connaître aux gens, parce que c'est une viande qui mérite d'être valorisée et qui mérite d'être connue.